Les enfants, les garçons naissent dans les choux, les filles dans les roses et les Lola dans les ratatouilles. Exactement. D'ailleurs, t'as encore un petit bout de patate là. De patate, mais il n'y a pas de patate dans la ratatouille. Ça dépend comment tu l'as fait. Mais non. Si. Il n'y a pas de patate dans la ratatouille. Moi, je fais une ratatouille avec du jambon, des patates et du lait fait sale. Oh, sale crilège. Oh là là. Sale crilège. Sale crilège. T'es qu'un sale crilège. Là, t'es crilin. Ah, non, okay. Non, c'est mon cousin. C'est mon cousin crilège avec un nez énorme. Je comprends rien ce que vous dites. Bah, Krilin, il a pas de nez. Ah, ouais, genre, donc, en fait, truc là, c'est Sailor Moon, tout ça. J'adore. Ah, les mangas. Je vous aime, putain. Yo, salut les amis, c'est David de la Marche Pokémon. J'espère que ça va bien. Moi, ça va super. Toi, t'es censé dire coucou. J'en suis mort tellement j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai toujours rêvé d'être David Lafarge Pokémon. Ah ouais, du coup, pourquoi ouais. Parce qu'il que est, son il intro, est non mais son intro, moi me. Mais j'ai jamais regardé David. Je suis essoufflé juste en l'entendant. Il fait yo salut les amis, comment ça va, c'est David Lafarge Pokémon, moi ça va super, moi j'espère que ça va bien. Et toi t'es genre quoi? Je comprends pas ce que tu dis. Mais c'est mais ça, c'est il y a plein de youtubeurs qui commencent hyper rapidement leurs vidéos comme moi, ça. Squeezie moi aussi fait ça. Je comprends pas comment mais ils font. Squeezie il fait plus la même intro, je suis déçu. Ah bon? Avant au début il faisait yo tout le monde c'est Squeezie et puis maintenant il le fait plus. Maintenant il fait bonjour. Non, il dit rien, il commence direct, il dans l'action, tu vois. Il fait au revoir. Immédiat stress, comme on dit. Ouais. Quoi Deus ex machina. Immédiat stress, comme on disait en L. Ouais, c'est direct, ça veut dire. Direct. Direct. Ouais. Direct dans le roman, genre direct dans l'action. Ouais. Immédiat stress, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah, d'accord, je ne connaissais pas ce terme, immédiat stress. Non, bah non, non. Pourtant, j'ai fait du latin, mais je ne la connaissais pas. J'ai tout. Et ben maintenant, tu sais. Ouais. Voilà, bah, félicitations. Merci mais beaucoup. On s'en fout. On sait maintenant, mais on apprend des choses avec les alcooliques aussi parfois. On apprend des enfin, choses. Quand Lorraine est là. Quand Lorraine est là. Enfin, et ça, de façon jingle. Et ça, tu t'en souviens de ça ou pas dans Smash Bros? Le gros canon sur le Albert. Moi, le seul gros canon dont je me souviens. Oula, c'est le Captain Drive Zero, il est trop beau. Je sais comment il s'appelle là. Captain Falcon, pas canon. Ouais, canon là, ouais, c'est... avec son petit truc moulant. On voit son allez, cul, allez, allez, on voit son, on voit son bully. Ah oui. Bully du fasciste. Donc, waouh. Moi, je pensais à Bully de Bonhomme de Neige. Et toi, t'en étais à ça. Je veux dire. Kezako, comme disent les jeunes. Il savait faire caca debout. C'est peut-être un détail. Oui, parce qu'hier, avec Lorraine, on s'est repris des petites chansons de Michel Berger, comme ça. On s'est dit, tiens, mais prends-la. Prends-la. Prends quoi? Prends la caquette. Oui, mais prends-la. Voilà. Prends-la. Oh. Ouais, d'accord. Aïe, aïe. Aïe, aïe, psychocouac. Je te laisse tout seul. Ah, je vais mourir. Aïe, aïe. Oh, oui, c'est bon. Oh. En fait, champion, j'ai même pas besoin de toi. Le mec s'auto-congratule. Bah ouais. Champion, bah, bravo, il faut bien, hein. Bravo moi-même, bravo. Allez hop, reviens. Reviens Pikachu, parmi nous. Reviens. C'était la Pokéball, mais je l'ai mal fait. Ah ouais, non, il te manquait un petit accent, il te manquait quelque chose. Ah, tu... Ouais, non, toujours pas. Non, on dirait Kirby qui avale en fait. Enfin, qui. Ah, fort. Il m'a poussé dans le vide, on est game over. J'adore les ovaires, j'en ai deux. Je collectionne. Ah ouais. Il collectionne les ovaires. Il y en a qui collectionnent les pins. Mais moi je collectionne les ovaires. Ouais. Mais sauf tu sais que vous... les ovaires c'est gris. Ça... Ah ouais. Bizarrement ça m'étonne pas. Parce que je les sens plutôt tristes les miens. Bon. Pff. On est là mais bon. Ouais hein. Bon, ah, pour, bah, l'instant, quoi, bon. Pour l'instant tout ce qu'on fait c'est saigner donc. C'est ça. Alors non, si tu saignes des ovaires, ouais, allez à l'hôpital. Ce n'est pas bon signe. Et ça va, moi j'en ai pas, hein, donc je sais pas comment ça fonctionne. Bah du coup ça sera encore plus bizarre si tu saignais des ovaires. Bah, ouais, d'accord. Non mais ceux qui sont sur ma table de nuit, ils arrêtent pas de saigner. Ah ouais, non mais faut cautériser. Mais ça sèche à un moment, non? Bah et... oui, faut croire, enfin apparemment, mais ceux que j'ai, non. C'est... Oui, c'est comme les raisins, les pruneaux, les dattes. Et voilà. Tu peux faire un petit cake. J'ai des ovaires lyophilisés. Cake aux ovaires. Tu veux dire un cake aux olivers? Non. Un cake aux olivers. Cake aux ovaires. Un cake aux olivers avec des cailloux, comme ça ferait un cake aux olivers stone. Ah putain, ouais, mais wow. En fait, non, tu le manges et t'as... à la fin t'es surpris, c'est un cake aux olivers twist. Putain, le fais chier, là. Ah. Ou alors tu peux mettre du colorant dedans et tu ouais. Manges un cake jaune aux olivers. Jeune Oliver. Oui, voilà. Waouh. Ouais, non. C'est trop cher. Trop deep, ouais. Ouais, je suis désolée.
J'ai pas su m'arrêter. Non, mais écoute. Après, je suis bien content que t'aies pas su t'arrêter parce que celle d'avant était parfaite, donc au final, ça fait une moyenne. Bah bien sûr, mais absolument. Je vais te tweeter. J'ai même, tu sais quoi, je viens même d'oublier ce que j'ai dit. Donc ça serait bien que tu le notes quelque part. Je me rappelle même plus de ma phrase. C'était pas un cake Oliver Non, si, c'est on peut faire un Oliver Twist. Oui, c'est ça. C'est une surprise à la fin quand tu le manges. Cake. On est en train de massacrer le Albert. Mais alors, quelque chose de concret. Ouais, désolé Aldebert. Désolé, pas désolé. Waouh, 74% de dommages. Ça fait beaucoup de dommages. Et pas beaucoup d'intérêt. Ah ça, tout le temps. Alors qu'est-ce que... En même temps, les livrets ça fait niveau mal. Intérêt, c'est moyen, quoi. Bah après, ça dépend où est-ce que tu investis aussi ton argent, et sur, si tu le gardes, si tu le mets en bourse, si tu le fais fructifier en fonction d'un certain pourcentage. J'ai jamais su parler finance. J'essaye, mais j'y arrive pas. J'essaie d'être aussi chiant que les mecs qui parlent finance, normalement, mais c'est compliqué. Mais non, mais parce qu'il suffit pas d'être chiant, faut se la péter aussi. Ouais, tu comprends. Ouais. Pardon. Alors, on peut faire un cake aux olives vertes, et après, t'es surpris, ça fait un cake Oliver Twist. Oui. Je valide. C'est ce que t'as dit, de toute façon. Je valide mes propres paroles. Je valide la retranscription, la traduction de Lola à français. Ah bah voilà, maintenant t'es un pigeon. J'adore. Tu me lançais plus, mais avec tes aisselles. Ouais. It's okay, sir. Be quiet. Be quiet. Non. Boom. Oh merde. Oh putain, on se fait poursuivre par le robot Mar. Oh non. Le robot Mar. Le robot Mar et Fred, ils vont nous faire une blague. Jusqu'à ce qu'on meure de rire. Moi j'étais plus sur... tu crois que si Bertrand a marre, on fait un robot, ça fait aussi le robot Mar. Mais non, ça marchait pas en fait, c'était trop... Oh, scheisse, je me suis fait écraser. Il est tard, non? Un je peu. Je vais peut-être rentrer chez moi. Mais... J'adore faire ça. Mais arrêtez de vous moquer des mouilles. Le problème, c'est que c'est devenu un réflexe quand quelqu'un fait une blague un peu nulle. Maintenant, je fais... tousser, ouais. Mais les gens comprennent pas tout le temps. C'est devenu un réflexe maintenant chez moi d'être condescendante quand quelqu'un fait une blague de merde. J'adore être une connasse. C'est ma vie maintenant. Bah ouais, mais alors, j'ai beaucoup de nanas qui m'ont dit ça. Et après, quand je leur parle mal et que je leur dis, mais ta gueule ou truc comme ça, ils me font, mais pourquoi ils parlent comme ça? Je dis, écoute, t'assumes d'être une connasse, normal quand bah, on te. Genre, assume le fait aussi que les gens ils sont pas forcément d'accord avec toi et qu'ils te parlent mal le après. Le revers de la médaille. Ah bah, il y a un moment, t'assumes, hein. Hein, voilà, la médaille, tu la chauffes trop, après le chocolat, ils font. Ça dépend. Ça va, si t'as une médaille en chocolat. C'est voilà, bon, après, c'est. Ça... Ouais. Parce que si elle est pas en chocolat. Ne s'applique pas aux médailles d'or, de bronze, d'argent et autres métaux. Et autres métaux divers. Plus ou moins précieux. De même pour les alliages complexes. Ouais. D'ailleurs, c'est toi qui m'as envoyé la vidéo sur les jeux vidéo et écologie, Mims. Oui, oh là là. Elle est très déprimante, cette vidéo. Elle est très badante. Très déprimante. Bah, ouais. Le savais-tu, dans 10 ans, on n'aura plus le métal pour fabriquer les écrans tactiles. Ouais. Dans 10 ans, il y en aura plus. D'accord. Par exemple. Donc, il va falloir maintenant qu'on fasse une interface directement sur l'œil. Moi, je pense surtout qu'il va falloir qu'on décroisse. Ouais, bah, de toute façon, ça va être obligé. Hein. Ah bah, ça, oui, c'est obligé. Mais ce que je trouvais intéressant, déjà, les vieux, c'est que... hein, ils ont vécu trop longtemps. Voilà, laissez-nous la place, ça suffit. Bah, est-ce que vous avez besoin d'autant de chauffage en janvier? Franchement, il fait plutôt doux en ce moment, alors... hein. Non, il fait très froid en ce moment. Mais non, mais tu mets deux pulls. Et le réchauffement climatique, enfin. Mais le savais-tu, le réchauffement climatique a causé l'ère glaciaire, je suis désolée. Mais je sais. Non mais c'est ça, tu vois, c'est un truc que je trouve assez dingue, c'est que quand on les écologistes qui disent il faut sauver la planète, il faut sauver la planète. Ah non, la planète va très bien. Elle en a rien à foutre, la planète. Il faut sauver nous. C'est ça, c'est notre civilisation qu'il faut sauver. C'est que d'ici 2000 ans, il y aura de toute façon d'autres êtres vivants. Et les nounours, parce qu'ils sont mignons. Oui, les voilà. Les autres. Et puis parce que sinon, putain, comment Coca va faire parce que s'ils ont plus de mascotte. Alors qu'en plus, c'est de leur faute s'ils meurent. C'est ça. Wouhou, non mais en fait, ils sont en train de créer leur propre animal imaginaire. Parce que d'ici quelques générations, comme ça n'existera plus, tout le monde sera là. Waouh, en fait, il paraît qu'à une époque, ça existait. T'es comme les dragons. Ouais. Ah, et les licornes aussi. Voilà. Ce serait une légende. C'est incroyable. Devenu légendaire, quoi. Exactement. Mais en vrai, le documentaire, il a porté une piste assez intéressante sur le fait que, au final, ce qui est bien dans un jeu, est-ce que c'est la puissance technologique et les graphismes de ouf, ou c'est le gameplay, le scénar et le putain, film, encore un connard d'artiste indépendant là, qui essaie de me faire croire que le jeu vidéo. Mais regarde ça, Kirby. On pourrait jouer à Kirby tous. C'est trop bien, Kirby. Et Kirby, c'est pas vraiment indépendant, tu vois. Allez, salut. Au revoir. Et genre, tu ferais un système de bibliothèque, mais pour les jeux vidéo, comme ça on n'aurait pas besoin de créer 10 millions de copies. Bah, de toute façon, c'est ce qui va bientôt arriver, on va bientôt avoir un truc de stream de jeux vidéo, mais après le problème du streaming, c'est que ça consomme de ouf, on est là. Bah, c'est ça, ouais. Mais non, mais sinon, tu fais des copies limitées, mais genre, tu les empruntes, tu les gardes pas chez toi, tu les prêtes. Moi, je trouve que c'est un. Oui, mais non, mais alors ça, mais c'est. Mais tu encore... te reconcentres sur une économie de locale. Communiste, ça, ah, bah, encore. Ah, bah, moi, je suis à fond. Vous voyez ma moustache qui pousse là, une je suis trop communiste. Bobo-gauchias.
Alors Edwy Plenel, tu vas te calmer. Mais oui, si vous vous demandez de quoi je parle, c'est la dernière vidéo de Game Spectrum, un documentaire de 40 minutes incroyablement déprimant, mais pertinent. C'est ça qui me fait de la peine. C'est un épisode de Black Mirror, mais en vrai. Voilà. Mais c'est très bien. Et je vous conseille la chaîne en elle-même. La chaîne. Je vous conseille la chaîne, parce que je suis américaine. Parce que, bah déjà, Thomas est très sympa. Salut. Meuf, elle salue les potos et tout. Ouais, regarde, elle connaît. Les potos YouTube. Elle connaît du monde. La mafia YouTube. C'est ça. Mais voilà. Oh là, on avait failli se faire écraser comme des... De toute façon, pourquoi vous m'écoutez? Je suis un peu roquet qui parle. Bah oui, mais donc justement, c'est pour ça qu'il faut t'écouter. Oh la patate que je lui ai foutu. Get wrecked. Wow. Allez, salut. Putain, mais tu m'attends jamais. Mais où est-ce qu'il faut aller maintenant? Je sais pas. Parce que là, on est... Écoute ton cœur. Descends un peu, va. Mais attends, peut-être que c'est là, non? Je sais pas où à il droite. Faut aller. Toujours à droite, si tu poses la question. Là? Ah, il y a les poulets. Elle est où la poulette? Elle est là. Et là, le tank, bam. Je m'excuse auprès de notre public poulet. Ah oui, président Côte-Côte. Si vous nous écoutez, nous... Voilà, on n'est pas pour la violence contre les poulets spécialement. Non, même si vous êtes vachement bon avec du curry. Ah, c'est vrai. Même en tant que végétarienne, ça me fait de la peine de l'avouer, mais... Bah, c'était Caro qui nous avait dit un moment sur... Elle a de très belles réflexions sur les homards, Caro, ces derniers temps. Ouais, parce que moi, je suis militante pour la survie des homards, contre la pêche des homards. Ouais. Et Caro avait dit... Mais pourquoi dit... les homards? Pourquoi pas? Non, mais je me pose la question. Parce que c'est inhumain, la façon dont on traite les homards. C'est ça, Ébouillanté, ou même planter un couteau dans son dos, comme ça, pour le tuer, et tu vois ses pattes qui font... Oh, un pauvre petit homard. C'est vachement radiophonique, voilà. Ce que tu fais. Ouais. Bah, elle a fait du bruit. C'est vrai. Mais et comment... Je tape dessus. Ouais, oui. Du coup, t'as les pattes qui se lèvent et qui se descendent tout doucement, et c'est horrible. Tu le vois vraiment mourir, tu vois qu'il s'est pauvre petite chose. Ah, mais non, attends, ça sert à rien de le buter en fait, il faut le renvoyer ses lasers contre lui. Ah, t'as parfois... Et donc, parce que parfois, il y a des trucs qui tombent. C'est horrible et triste, et du coup, j'ai décidé que les homards ne mourront plus jamais. Bah, t'as bien raison. Voilà. En tout cas, pas dans la douleur. Et Caro avait eu deux très belles réflexions sur les homards. La première, ouais. C'était, c'est marrant quand même parce que t'es quasiment immortel, mais t'es quand même super bon avec de la mayonnaise. Bah, il faut bien une contrepartie à tout, hein. C'est la base du game design. Tu peux pas être OP comme ça et avoir tous les pouvoirs. J'avoue, c'est un homard, t'es God tier. Bah voilà, donc oui, t'es immortel, mais t'es délicieux. Alors voilà. Et la deuxième, c'est, est-ce que les homards, ce serait pas genre les sirènes des scorpions? Waouh. Hey. Mindfuck. C'est pas trop deep comme réflexion? Mais tellement. Et est-ce que les dauphins, ce serait pas les sirènes des endives? Quoi? Ça ressemble. Waouh. Alors, Lola, au cas où... Alors, si tu confonds le végétal et l'animal, tu dois faire une super végétarienne. Ah merde, c'était un dauphin que j'ai mangé. Ah, shit. Je me disais bien aussi. C'est une très très grande endive. L'endive avait pas son cri habituel. Non, mais je trouvais qu'il y avait une ressemblance dans la forme. Mais c'est vrai que... Voilà. D'ailleurs, est-ce que tu sais qu'à Noël... Il y a un petit Jésus qui a été volé et remplacé par une endive dans une crèche du Puy-de-Dôme. Ah, ouais. Dans le Puy-de-Dôme. Je pensais que c'était en Belgique, parce que souvent ils font ça. Non, mais il se passe beaucoup de choses bizarres dans le Puy-de-Dôme de toute façon. Ouais, moi je pense qu'il y a des trucs paranormaux. Ouais, bah déjà il y a Raël. Donc rien que ça. Il y a des extraterrestres dans le Puy-de-Dôme. Ça c'est pas juste paranormal, c'est pas normal. et Bugarache, non, c'est pas dans le Puy-de-Dôme. Ah, je me demande si c'est pas là. Alors, si, putain, mais je crois qu'il y a vraiment un truc, c'est la zone 51 de la France. Ouais, ouais. Tu vois, c'est... La zone 12. Le Puy-de-Dôme. La zone 51, le puits de Dôme. Ouais, non, c'est moins sexy tout de suite. Hein. Ouais. Attention, en gros, évacuer Chip. Ok, bah, je crois que c'est le dernier niveau. Bon, bah, on peut tenter, de le faire là, ou à ton avis, ou. Me pose pas de questions, je sais pas prendre de décision. Ah, bon, écoute, allez, on va tenter de le terminer. C'est bien, parce que sinon j'aurais explosé mon cerveau. Ah non, c'est pas dans le puits de Dôme, mais c'est. C'est pas loin? C'est dans l'Aude. Ah! L'Aude? Oui. Tu sais, pas loin je de. Je connaissais une fille, elle s'appelait Aude. Pyrénées orientales. Mais c'est pas rien à voir. Merci. Je vais faire un jingle aussi pour toi, comme avec Adrien, pour les anecdotes. Les anecdotes de moi. Les anecdotes doc. Les anecdotes doc. Nous 100% Adrien, ça. Ah bah, on sait pas nous, hein. Oui, on tient à préciser. J'assume absolument pas la paternité de ce truc. Nous, on fait des blagues sur les cakes aux olives, c'est quand même vachement plus évolué. Voilà, là, on est plus dans le côté masquer la plume de l'émission, hein, ouais. Adrien, c'est bigard. Alors que bon, on a sorti la pâte à prout il y a à peine 5 minutes. Mais c'est du comique de situation. Oui, enfin. C'est du théâtre de boulevard. Écoute, t'es pas Charlie, hein. Non, bah alors ça. Moi j'ai jamais trouvé. Si c'est loin. Oh, je sais pas. De quoi, l'Aude? Le Puy de Dôme. Bah ouais. Par contre, si, truc paranormaux bizarre, il y a Vichy, hein, quand même. Ah bah ça, oui.
Ouais, genre ils ont des bonbons et de l'eau rien qu'à eux déjà. C'est trop bizarre. Et des nazis. Et des nazis en plus. Oh, pas des nazis, des collabos, nuance. Oui, c'est pas pareil. Ouais. Non. C'est la même chose mais français. Voilà. Avec la fameuse French Touch. Genre. Voilà, c'est la French Touch. C'est Daft Punk allemand. Le toucher français. Oh, non, avec leur casque. Oh non, je veux pas imaginer. Oh putain, oui, avec des casques en métal. Oh, merde. Oh merde. Work it, make it, do it faster. Oh, non, non. Non, non. Je me désabonne. Hey, on se bat contre Metal Knight. Ouais, Metal Knight. Ya. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup et le fait d'être amie avec toi, Lola. Ouais. C'est que je sais que tu me voleras jamais mes nuggets. Ah bah ça, t'inquiète, je te les voleras pas. Et ça, je trouve que c'est la vraie amitié. Mais moi, par contre, je suis pas sûre que tu me volerais pas mes nuggets végétariens. Oh, ça. Parce qu'ils sont bons. Quitte à choisir, je préfère des nuggets. Des vrais nuggets. La purée de poussin. Oui, bah oui, c'est meilleur la purée de poussin. Oh, regarde, en fait, Meta Knight, c'est un Kirby avec une tête. Wow. Tout bleu. Tu le savais, ça? Non. Mais sous son masque, en fait, c'est un Kirby bleu. Ça veut dire que quand dans Smash Bros on joue un Kirby bleu, c'est peut-être Meta Knight mais pas déguisé. Exactement. Wow. Et la fonce là, c'est toi qui conduis. Bah oui, mais attends, j'ai appuyé sur le bouton, wesh. Dépêche-toi, on est timé là. C'est moi qui conduis. Allez, fonce. On se fait courser par Meta Knight. Je conduis. Ah, saute. On a que 30 secondes pour quitter le vaisseau. Oh là là, le vaisseau va exploser, Lola, fonce. Mais je fais ce que je peux. Donne tout ce que t'as. Que je peux. Ah, ah, fonce. Je peux pas regarder, est-ce que tu veux. Non. Ah, mais voilà, bravo, merci Lorraine, tu nous as déconcentré. Ouais, attends, oh. C'était pour un like de Clarabelle alors. Oui, c'est vrai, ça vaut le. Salut Clarabelle. Ça vaut son tour de pâté. Allez, fonce. De vache. Oups. On a perdu un abonné. Oh. Mais fonce là. Mais je fonce, putain. Emilou, putain de merde. Pardon. Ça c'est l'autre chien de Tintin. Putain de merde. Milou, putain de merde. À table. Oh, Milou, à table. Putain de merde. Oh non, je crois qu'on l'a oublié au Congo. Je sais pas. Oh mais non, oui, fonce, Lola, plus que 12 secondes. Milou. Ouh, la Charente maritime, représente. La Rochelle. Ouais, bah ça va, tu fais ça, mais Adrien, il n'est pas là. Adrien, lui, vient du Nord, pas La Rochelle. Il vient du Nord. Oh non. C'était les cons. Il n'est pas très synchro. Ouais, non. Et regardez, là, pour le coup, maintenant, on va voir tous les noms des ennemis. C'est comme ça que je les ai su, en fait, quand j'étais petit. Toi, t'avais... Tiens, il y a Jim. Bonjour, Jim. Il y a Bio Spark, le fameux. Qui est bio. Ouais. Et t'as... Donc, il s'appelle Birdon, lui. Mais j'aime bien Birdon. Mais ouais, mais non, ça, je trouve ça moche, comme... Knuckle Joe. Birdon, ça fait un peu... Un peu village de la France. Birdon. J'habite à Birdon sur Seine. C'est ça. Nous, on était dans un truc qui s'appelait... On était à Ribérac. Ribérac. C'est là où il est né, Ribéry. Ah, à Toulouse, là, à côté de Toulouse. À côté d'Angoulême. Ah oui, à côté d'Angoulême. Oh là là. Ribérac. Non. Ribérac, ouais. On dirait comme Rick et Rock. Tu vois, c'est genre Rib et Rac. Mais ouais, c'est le fameux duo. Le fameux duo, voilà. le fameux duo comique. Rib et Rac. Et Ribéry et Rackham le Rouge. Waouh, wow, ouais, le duo improbable. Tous les soirs à la salle des fêtes de Gif sur Yvette. T'as comment il parle déjà? Merde, je commence à un accent du Nord, mais pas du tout. Merde, je suis Franck Ribéry. C'est Franck Ribéry, bonsoir. Bonsoir. Franchement, tu fais des imitations comme Canteloup. Tu dis, oh, je vais improviser. Salut, c'est Ribéry. Salut, c'est Jean-Pierre Foucault. Et maintenant, je vais imiter Geneviève de Fontenay. Salut, c'est Geneviève de Fontenay. Attends, c'est aussi. Attends, je vais faire la tronçonneuse. Je vais faire la voiture qui démarre. Je vais faire aussi le canard. Beaucoup bah, trop d'émotions. Pourquoi on n'a pas débloqué la suite? Ah bah mince alors. Pourquoi? Moi je veux Milky Way Wishes. Milky Way. Bon bah de toute façon on va dire qu'on l'a terminé, on va jouer à autre chose après, ok? Ça te dit? Ouais, on joue à autre chose. Hein? Ouais. Allez, bisous et à demain pour autre chose. Zoubi, les amis. Yo. Prout.